Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser les équations rapidement et facilement. Mais avant, nous allons faire un petit test d'imagination. Je vais vous demander d'imaginer un globe posé devant vous. Sur le globe, donc en haut du globe, il y a un 4. En bas, il y a un 3. Les deux sont attachés au globe. À côté du globe, il y a une pizza. Donc imaginez la pizza chaude. Imaginez que vous sentez son odeur posée à côté du globe. Et sur la pizza, il y a une image très bizarre. Il y a un rat. Qui est congelé dans un cube de glace. Imaginez cette image, très bizarre. Alors là, je sais que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que tu me fais imaginer des choses pareilles Eh bien, vous venez de mémoriser le volume d'une sphère. Oui, vous ne me croyez pas Eh bien, laissez-moi vous prouver cela. Le volume d'une sphère, donc la formule c'est V étant égal à 4 sur 3 fois pi fois R au cube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti l'information sphère en un globe puisqu'ils ont la même forme. J'ai mis le 4 en haut, le 3 en bas, le pi je l'ai converti en pizza et le R cube eh bien c'est notre rat qui est congelé dans un cube de glace. Ce que je viens de faire ici c'est convertir la formule en image et c'est ce que je vous apprends à faire dans cette chaîne c'est prendre n'importe quelle information et la transformer en image. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est comment faire cela pour les formules et les équations et prenons un deuxième exemple. L'air ou la surface d'une sphère est égale. Voici notre deuxième formule, 4pi fois R au carré. On va utiliser une autre image pour représenter sphère. Donc, Le globe n'est pas la seule chose qui a la forme d'une sphère. On va par exemple utiliser l'image d'un ballon. On va ajouter un 4 au ballon. Vous allez imaginer qu'il y a un 4 écrit sur le ballon. Pi, nous avons dit, c'est pizza. Nous n'allons pas changer ça à chaque fois que vous allez tomber sur le pi dans vos formules. Convertissez-le en image de pizza et R au carré. Et eh bien là, je vais utiliser une image assez bizarre, comme j'ai fait au début. Je vais imaginer deux rats qui sont sur la pizza en train de la manger. Et je vais créer une animation. Donc je m'imagine arriver devant le ballon et la pizza. Et quand les deux rats vont me voir, ils vont aller se cacher derrière le ballon. Ça, ça me permettra de mémoriser la formule de l'air ou la surface d'une sphère. Voyons maintenant comment mémoriser... La formule du volume d'un cône, que voici, c'est V étant égal à 1 sur 3, B fois H. Alors, quand vous cherchez à mémoriser les formules, évidemment, il faut les comprendre. Ici, B est l'aire de base du cône et H est la hauteur du cône. Qu'est-ce que je vais faire Eh bien, comme toujours, je vais essayer de trouver une forme qui va me rappeler cône. Et là, rien de plus simple. Cône, ça va me faire penser à un cône de signalisation. Pour tiers, je vais utiliser cette image-là, un diagramme en secteur avec un tiers qui est colorié et deux autres tiers qui sont blancs. Pour le B, je vais utiliser l'image d'un bébé et pour le H, je vais utiliser l'image d'une échelle. Alors vous allez dire, mais pourquoi échelle Eh bien parce que l'échelle permet de monter en hauteur et je crée une animation ici en imaginant le bébé qui va prendre l'échelle et qui va essayer de monter tout en haut du cône. Ce que je viens de faire ici, c'est une nouvelle fois convertir la formule en une image. Alors pour pas que la vidéo ne soit trop longue, je vous ai préparé un PDF spécial qui donne d'autres exemples de formules que j'ai converties en images. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Mais maintenant, je sais... Quelle est la question que vous vous posez, mais si j'ai des formules comme ceci, des formules complexes, avec des racines au carré, avec des divisions, avec plusieurs symboles, comment est-ce que je fais ça Eh bien, j'ai préparé là aussi une série de vidéos spéciales dans lesquelles je vous montre des règles à suivre pour mémoriser ce genre de formules. En fait, je vous montre qu'il y a des règles que vous pouvez utiliser et que vous allez appliquer pour mémoriser n'importe quelle formule. Vous allez rapidement pouvoir convertir la formule en une image. Vous trouverez là aussi le lien en bas dans la description. Mais maintenant, voyons qu'est-ce qu'il faut faire avec les images des équations que nous venons de créer. Eh bien, comme toujours, vous allez les placer dans un palais mental. Vous allez aller dans votre palais mental et vous allez identifier des objets dans lesquels vous allez placer ces équations. Je vous donne un exemple. Pour la première équation, on va la poser ici. Pour la deuxième équation, on va par exemple imaginer qu'elle est posée sur la table. Et enfin, pour la troisième équation, nous allons... L'imaginer posé à côté de la télévision. Ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer un palais mental dans lequel vous allez stocker toutes vos formules et équations. Comme ça, elles seront stockées dans un seul et unique endroit. Et à chaque fois que vous avez besoin d'une équation, vous allez revenir à ce palais mental spécial que vous avez créé. Encore une fois, je vous invite à aller télécharger le PDF contenant des exemples de formules que j'ai converties en des images. Sinon, vous pouvez aller voir la série de vidéos que j'ai créées qui va vous montrer comment mémoriser des équations et des formules très complexes. Avec ça, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.